It's a love story in Paris between some young people. A couple played by Louis Garrel and Ludivine Sagné, and they have a love affair with another girl played by Clotilde M. And suddenly something happened in their life. Ludivine died, and the story of the movie is how the character of Louis Garrel continue his life with the grief and in the same time happiness, because he meets someone else. Ça va être très très difficile pour moi en anglais, je pense, ce matin, mais bon. Why? No. Donc là, je vais répondre en français parce que ça va être impossible en anglais. Je pense pas du tout que ce soit de la science-fiction. C'est ça qui est assez intéressant. Enfin, moi, j'ai l'impression dans la vie, justement, dans nos vies amoureuses, c'est que le désir arrive toujours à l'endroit où on ne s'y attendait pas. And the story of the movie is really not a story of a straight man who will begin gay. It's completely awful if you understand this of my movie. Pour moi, l'histoire, c'est vraiment comment, alors qu'on est dans un espèce de désespoir absolu amoureux, comment soudain l'amour revient et qu'on peut être à la fois complètement désespéré et complètement heureux. Et c'est pas complètement de la science-fiction de penser que quelqu'un qui a autant aimé une femme, justement, ne peut pas retomber tout de suite amoureux d'une femme. Et que ce soit justement un jeune homme dont il devient amoureux, soudain il n'a pas l'impression de remplacer la femme, il a l'impression de vivre autre chose. Et le fait, comme vous dites, qu'il était avec deux femmes, ça prouve aussi qu'il a une certaine liberté sexuelle, en tout cas, et que la manière qu'il a de vivre sa vie sexuelle n'est pas dans les codes habituels. Et n'oubliez pas que ça se passe à Paris, et voilà quoi. Moi, je ne suis pas un Parisien d'origine, je viens d'une région de province en France. Et donc, c'est vrai que quand je filme Paris, j'ai toujours l'impression de découvrir, en fait. Et là, je tenais vraiment beaucoup à avoir un côté documentaire, en fait, sur un des quartiers de Paris, et qui était un quartier très populaire. Et comme on était un petit film, une petite équipe, en fait, on s'est pas permis de faire comme sur les gros tournages où on bloque les rues, etc. Là, on a vraiment filmé dans la ville, avec les gens de la ville comme figurants. Et j'espère que du coup, c'est ça qui donne un caractère assez authentique à la vision de Paris dans le film. Ouais. Parce qu'en France aujourd'hui, quand vous êtes un jeune cinéaste, when you are for the young directors in France, like for all kind of directors in Europe, I imagine it's very difficult to make movies because the money miss. And moi j'ai choisi en fait de pas attendre qu'on me donne de l'argent pour faire des films. Et de faire des films sur l'énergie. Alors, et donc du coup, je tourne mes films très rapidement, en 3 semaines, 1 mois, avec des acteurs qui sont comme mes amis, sur des petits sujets, en me disant que le cinéma, c'est ce qui compte, c'est aussi la beauté du geste, en fait. Et donc du coup, voilà, c'est comme une manière un peu de résister, pour moi, à l'économie du cinéma français d'aujourd'hui, et d'essayer effectivement de donner à voir des films qui sont comme des cartes postales presque de l'esprit présent. Je pense que c'était ça que devait peut-être vouloir dire Olivier Perre. If you dream about your movie during 2 or 3 years, the period of your dreams make your future film very different than if you have the idea and tomorrow you shoot your movie. It's very important to because you know, for me the movie exists when you shoot. I hate the scripts.
I really think that it is not cinema scripts. It's just comment on dit, un brouillon. Before I was a director. At the beginning, I am a writer. I publish novels. So I like write, but for novels, not for cinema. If I want to make movie, it is not to write, but to play with actors, with the light, with the street, and it's very, for me, it's very important to make the period between the idea you have of your movie and the days you shoot your movie la plus courte possible. Yes, of course, because I say that, and in the same time in all my movie the dialogue is very very written. I don't improvise, and but I suis très très méfiant sur c'est-à-dire que for me, if I make a movie, it's because something happens in my life, and I want to about these things. I want to make a story. For this, it is because I lost a girl, and she died in the same way in the movie. So I wait for 4 years before to make a movie about this girl. But it's very important for me to reconnect the cinema and the life. You know, in France, we call that cinema d'auteur. And but the people forget what is cinéma d'auteur. Cinéma d'auteur is a kind of cinéma où, en tant que spectateur, when you are spectators, you every year, every 2 years, you can have news from a director you like, and this is cinéma d'auteur. No, for me no. Even, but some people have a life very very small, so their movies are very small, and it's good for me. I like Benders when he well, but it's very important because I like US movie entertainment. Spider-Man is a very very good movie, but it is not the kind of cinema I made. It's different things and. And for me, si je fais des films, c'est vraiment pour essayer, comme ça, d'être au plus proche de ce qui se passe dans ma vie et d'essayer de. Alors, c'est pas forcément sur un événement, ça peut être sur un sentiment, sur une idée, mais d'essayer de la retranscrire rapidement dans un film. And it's why for me it's very important to work in a small economy, because I don't want to have too much money, because if I have too much money, I have to have lots of spectators, and I don't care of this. Even if a movie like Les Chansons d'Amour in France is a big success, so some producer call me after the come home to make a movie with lots of money. And I prefer to make a movie after Les Chansons d'Amour. I made a movie this winter with just actors who are amateurs, and 16, between 16 and 18 years old. And it's very, very, very small budget, more small than the Chansons d'Amour. And for me, it's very important to continue in this way. Mm-hmm. Maybe in 10 years, when I become a big bourgeois, I want to have a big crew with me, but not now. Mm-hmm. Not Spider-Man, because I am sure I will be a very bad director for Spider-Man. But if they propose to me Harry Potter, I am their man. Because, you know, before I make cinema,
I wrote lots of child book, so I really really like the story for the children, and I very very like Harry Potter, and yes, I am sure I can make a Harry Potter 6. Yes, but they had decided to make two movies for one book, and I am sure for me Harry Potter can be in Ménage à Trois with you know, Hermione and Ron, and more sexual for yeah.